Mesdames, Messieurs, il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous venons de l'apprendre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver à Bunia, dans la province de l'Ituri, après les face-à-face qu'il a eu aujourd'hui avec les forces vives de la population de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et puis la grève des infirmiers à Kinshasa fait des victimes, les bébés prématurés et autres enfants en payent le frais. Le personnel soignant sèche les hôpitaux. Dans ce journal, nous ferons le tour de quelques hôpitaux. Encore une fois, bienvenue. Nous l'avons dit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sa tournée d'inspection sécuritaire dans les Grands Nord. Nous venons de l'apprendre. Félix Antoine Tshisekedi vient d'arriver à Bunia, province de l'Ituri, après une escale à Butembo. La ville était mobilisée pour saluer son passage. Nous y reviendrons tout au long donc de ce journal. Face à face aujourd'hui entre le chef de l'État et les forces vives de la ville de Beni, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et vous le savez, cette population est meurtrie par les forces négatives qui sèment une guerre asymétrique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré au cours de cette rencontre qu'il va vraiment en finir avec cette insécurité. Nous le suivons. Responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement criminels, parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus, ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça, c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté, évidemment, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de nos discussions parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège, je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur, que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait, à chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais, il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué, loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Voilà, parmi les victimes de cette insécurité, cette barbarie, des enfants, des mineurs, les uns ont perdu des membres supérieurs, d'autres des membres inférieurs. Ils ont été présentés au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En voici leur témoignage. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants. D'accord. Lorsqu'ils vous attendaient et leur discours a préparé comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à telle enceinte que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire.
Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos 8 jours et nos 8 nuits ne pas se faire casser pour rien. De bien vouloir faire en sorte que le fouet que nous avons reçu, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ce soit aussi votre motivation pourvu que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci, Jason. Merci, Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment, pardon, merci. Du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Voilà, c'était là les témoignages poignants des enfants victimes des atrocités des EDF qui opèrent dans cette partie de la République. Le développement de Béni passe aussi et surtout par le développement des infrastructures. Une route transnationale sera bientôt construite entre l'Ouganda et la RDC à partir du poste frontalier des Kassindi. Les travaux de construction de cette route ont été lancés par les deux chefs d'État, le Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Ougandais Paul Kaguta Yoweri Museveni. La rivière Lubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kassindi-Beni, 85 km, Beni-Boutembo, 54 et Bounagana-Goma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise et jumelle de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kassindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Beni-Boutembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès lors où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques, et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse, et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons nous, Congolais, encourager ce projet, et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusque
Tshisekedi. Je voudrais remercier son excellence, Monsieur Tshisekedi, for bringing Congo into the East African Community. Et de nous avoir conduits dans cette union africaine. Because Congo outside the East African Community was artificial. Et parce que le Congo en dehors de la communauté est-africaine était artificiel. You cannot talk of East African Community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. Because all these are part of East Africa. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi-Beni-Butembo-Bunagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. La vie reprend petit à petit à Beni dans la province du Nord Kivu. Les écoles ainsi que les centres commerciaux ont repris avec leurs activités. Constat de notre envoyé spécial sur place à Beni, Françoise Bouélaboaki. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADF. Les activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de 2 ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agribusiness. Les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des lotobawines, beurre d'arachide, j'achète des arachides, puis je transforme ça à beurre d'arachide. Moi, je compte vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, les plus grandes faiblesses qui est en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer aussi notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président Fatou est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux que ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce. Sur les abords de la RN4, il y a quelques mois, c'était impensable. Au sujet de Beni, les images des élèves en sit-in à la mairie réclamant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devrait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités champestres, mais actuellement ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près de cadres militaires. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux, Nakoko Fapona Ekolo. 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. Parlons encore du Nord Kivu, cette partie qui a été secouée par le volcan. Vous le savez, après l'éruption volcanique de Nyiragongo, la France vole au secours de la RDC avec une enveloppe de 9 millions de dollars américains d'aide au secteur de la santé. C'est l'ambassadeur de ce pays en RDC, François Pigelas, qui a signé cet accord avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Des financements qui sera mis en œuvre par le truchement de l'Agence française de développement, AFD. Il est considéré comme un ouf de soulagement pour la population du Nord Kivu, car celui-ci contribuera à l'assainissement de la voirie, à la maintenance des multiples équipements et infrastructures qui s'avèrent indispensables suite aux dégâts causés lors de l'éruption du volcan Nyiragongo et de l'activité sismique qui s'en est suivie.
Ce financement a également été motivé par le déferlement de la pandémie à Covid-19. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a révélé le fait que la dite convention se rapporte au pilier numéro 11 du programme du gouvernement qui favorise le renforcement des structures de financement des soins dans la province du Nord-Kivu. Les 10 projets du pilier 11 du programme du gouvernement intitulé « Améliorer les conditions sociales au Nord-Kivu » visent aussi l'amélioration de sa résilience face aux chocs épidémiques dans la zone de santé de Karisimbi et Nyiragongo, zone périurbaine de Goma. Dans cette perspective, le projet implantera les orientations du programme national de développement sanitaire et contribuera effectivement à l'amélioration de la qualité et de la disponibilité permanente des services de soins aux deux premiers échelons de la pyramide sanitaire, les centres de santé et les hôpitaux de référence. Ce financement prend aussi en compte la main-d'œuvre locale dont la capacity building est de rigueur pour des soins appropriés dans les standards de la santé universelle. Des routes également endommagées à Goma après l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le directeur général de l'Office des routes, Herman Mutima Sakrini, a évalué les niveaux d'exécution des travaux sur deux sections, entendez Goma-Rutshuru et Goma-Sake. On fait le point avec Blaise Boukoukia-Sanza. La réhabilitation des axes routiers dans la province et le Nord Kivu, une préoccupation permanente des autorités compétentes. Faisant partie de la délégation du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics dans cette partie du territoire national, le directeur général de l'Office des routes a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans ces tronçons compris entre Goma-Rutshuru et Goma-Sake pour se rendre compte de l'état des infrastructures et des travaux de réhabilitation en cours par la brigade de l'Office des routes Nord Kivu. Après ce qui s'est passé ici dans la ville de Goma, il était de notre responsabilité de venir voir quels sont les dégâts qui ont été causés sur notre réseau routier et prendre des mesures qui peuvent permettre de régler rapidement la situation. Donc nous sommes dans la suite du ministre d'État. Et maintenant, nous sommes sur la route nationale numéro 2, dans le tronçon qui va de Goma vers le nord du pays, disons nord-est, donc vers Mutembo. Maintenant, le premier constat que nous faisons, c'est que la route a été touchée ici, pour environ 200 mètres, avec des fissures, donc avec notre brigade, notre laboratoire aussi. Nous allons analyser la situation et voir quelles mesures nous pouvons proposer à l'autorité pour que rapidement on revienne à la norme. La détermination est de mise, engins et personnel de l'Office des routes déjà déployés pour l'exécution des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien routier 2021, programme financé par le FONER. L'ingénieur Herman Mutima Sakrini a terminé cette visite d'inspection par les ponts Sake, nouvellement réhabilités afin de permettre la fluidité de la circulation dans cette partie de la province du Nord Kivu où l'agro-pastoral figure parmi les principales activités de la population locale. Puis ces communiqués du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, suite aux mesures sanitaires qui viennent d'être prises par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de combattre énergiquement la troisième vague de la pandémie à Covid-19 dans notre pays et sur instruction express du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. La journée de solidarité nationale prévue le samedi 19 juin 2021 à Pullman Hotel Kinshasa est reportée à une date qui sera communiqué en temps opportun, mais à cet effet, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale prie les personnes morales et physiques qui collectent les fonds et les dons en nature pour nos compatriotes de l'Ituri et ceux de la province du Nord Kivu, particulièrement les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, d'avoir l'amabilité de continuer l'opération et sur les comptes, les numéros de compte qui a été donné précédemment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Initialement prévue pour le 14 juin dernier, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été reportée, annonce du secrétaire général à la francophonie lors de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mboso Kodiampanga.
de la troisième vague du coronavirus et les mesures barrières prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont entre autres des raisons du report de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, initialement prévue à Kinshasa du 14 au 17 juin. C'est l'essentiel de l'entretien entre Jacques Cabrol et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Même si les deux personnalités ont regretté les reports de ces grands événements, certains dossiers importants ont été passés au peigne fin. RDC est un grand pays qui compte au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pas seulement par sa taille, pas seulement parce qu'il y a un grand nombre de locuteurs, mais c'est un pays fort et donc nous voulons retisser des partenariats à travers des coopérations, par exemple dans le cadre de la démocratie, dans le cadre des élections, du droit des femmes. Et c'est pourquoi nous avons le sourire, parce que nous sentons qu'il y a une véritable volonté de continuer et même d'aller plus loin. Dans un autre chapitre, la sécurité sanitaire dans la région et les mesures préventives ont amené la représentante pays des médecins sans frontières chez le speaker de la chambre basse du Parlement. Des dispositions à prendre dans les régions frappées par l'état de siège, la réorganisation du travail des médecins sans frontières pour s'adapter aux nouvelles donnes. Voilà autant des sujets abordés par les deux personnalités. Alors l'insécurité est aujourd'hui un fléau qui touche avant tout la population congolaise, qui touche également les différents acteurs engagés sur le terrain. Et à ce titre, et dans la configuration actuelle de l'état de siège, il était important pour MSF d'échanger avec l'Assemblée nationale dans son rôle à jouer par rapport à cette configuration. Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, qui apprécie l'approche de ses interlocuteurs, s'engage à poursuivre ces dialogues. Jacques Cabrol, qui est venu de suivre, qui est secrétaire général de la francophonie, a adressé le même message du report de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui l'a recevé en audience. Autre chose, Franck Diongo a conduit une délégation de députés provinciaux du Sankourou, voulais-je dire, à la chambre haute du Parlement congolais. On fait le point avec Sandra Nyangui. L'avenir de la francophonie, la promotion de la langue et de la culture française sont les dossiers qui meuvent la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. C'est autour de ces dossiers que le secrétaire général de cette organisation, Jacques Cabrol, a échangé avec Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, qui était entouré des membres de son bureau. La coopération entre les parlements des pays membres de l'APF ont également été évoqués au cours de cette séance de travail. L'encadrement de la jeunesse et l'organisation des Jeux de la francophonie étaient également au menu de cette rencontre. La 28e Assemblée parlementaire de la francophonie était programmée à Kinshasa du 16 au 28 juin courant, mais reportée pour cause de la COVID-19. Nous tenions à être présents pour réengager une dynamique déjà très forte de la section du Congo, et le président du Sénat nous a dit tout son engagement pour que cette section soit mise en œuvre dans les meilleurs délais et puisse prendre toutes les dispositions réglementaires. La crise au Sankourou s'était aussi invitée à l'agenda de Modeste Bahati Lukwebo avec la délégation des notables du Sankourou, conduite par Franck Diongo, accompagnée essentiellement des députés provinciaux. Signalons qu'il y a deux semaines, une délégation des députés nationaux et sénateurs, avec en tête Lambert Mendéo-Malanga, a été reçue par le président du Sénat. Leur entretien a été axé sur la même question, la crise qui sévit au Sankourou. Aux uns et aux autres, Modeste Bahati Lukwebo a réitéré son appel à la sérénité en leur recommandant de privilégier les intérêts de la communauté. L'accompagnement du programme de développement de la République démocratique du Congo au cœur des entretiens ce jeudi entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Plus de détails avec Patty Tondongo.
La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage conformément à sa mission à contribuer à l'accroissement du volume des investissements directs étrangers arabes en République démocratique du Congo et à mobiliser des financements privés pour les investissements. Son directeur général Sidi Oultaï, reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé ce jeudi 17 juin, a expliqué au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de la BADEA 2030 axées notamment sur des infrastructures et le développement des chaîne des valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeurs agricoles, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité donc, de la banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés. Ceci en plus des interventions de la banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés donc à appuyer des programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. À la fin de sa mission en République démocratique du Congo, une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'économie et des finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes, a conclu Sidi Oultaï. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, va accompagner le gouvernement de la RDC dans la campagne contre les COVID-19. Toutes les explications ont été fournies aux pasteurs de l'Église catholique par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, cadre de la rencontre, les centres interdiocésains de Kinshasa. La conférence nationale épiscopale du Congo a organisé une réunion importante à laquelle le ministre de la Santé a été invité. Représentant le ministre, Véronique Kilumba Nkulu, vice-ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, a pris part à cette importante rencontre qui lui a permis de s'étendre sur la portée de la vaccination contre le coronavirus. Cette vaste campagne qui s'annonce ne peut pas réussir sans l'accompagnement des princes de l'Église. Ces derniers, toujours regardant sur tout ce qui touche au social de leurs ouailles, ont posé plusieurs questions pour s'assurer de la pertinence et de la qualité du vaccin utilisé. Des échanges qu'il fallait pour développer plus de confiance. Nous devons communiquer pour que la population puisse être bien informée. On devait commencer avec le leader d'opinion, le leader spirituel. Et là, nous avons commencé avec l'Église catholique. Eux, ils vont nous aider à relayer la bonne information par rapport aux mesures barrières et par rapport à la vaccination. Cette communication avec l'Église catholique n'est qu'une étape dans le vaste programme de sensibilisation de la communauté et ses leaders sur l'urgence qu'il y a de se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus. Puisque nous sommes dans le chapitre de la santé, sachez que la grève des infirmiers fait encore parler d'elle, des victimes, se compte par centaines. Dans la foulée, les bébés prématurés et enfants qui sont aujourd'hui privés de soins, focus dans ce journal sur l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, et le centre pédiatrique de Kalembelembe, où nos reporters sont allés constater ce qui est arrivé. Les mouvements de grève déclenchés par les infirmiers soulèvent la question principale de la prise en charge des malades. La déontologie est catégorique sur l'obligation de ne pas abandonner les patients, d'où l'exigence d'organiser un service minimum, surtout pour le cas le plus urgent. Dans cette catégorie, on peut citer les enfants prématurés, comme le souligne le docteur Sylvie Izia Moncar de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. La grève se fait par les professionnels de santé, les infirmiers, les administratifs, mais les médecins ne sont pas en grève. Donc la poursuite médicale des malades qui sont hospitalisés se fait normalement. Il y a aussi une équipe restreinte des infirmiers qui administrent les soins appropriés aux malades,
jusqu'à leur sortie. Notre passage à la pédiatrie de Kalembelembe nous a permis de savoir si les patients venus avant la grève sont pris en charge. Par contre, ceux qui se sont fait enregistrer après le 9 juin ne le sont pas, selon, semble-t-il, une obligation déontologique. Formation médicale sur pied depuis l'époque coloniale est classée en très bonne position en Afrique centrale. L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe mérite mieux par rapport à sa situation actuelle. Et l'État doit faire absolument, en tout cas des efforts pour aider les enfants de l'hôpital. Et en les aidant, nous nous aidons nous-mêmes puisque c'est au travers de ces enfants que chacun de nous fera porter pour l'avenir son nom. À l'hôpital général ex-Mamayemo, les enfants prématurés ont la garantie d'être suivis par le médecin. Mais du côté des infirmiers, ils réclament la résolution en toute urgence d'un problème administratif. Ils se sont organisés, les choses se viennent avec un ou deux adjoints qui s'occupent des enfants pendant la journée de l'administration de son service. Et puis, les soirs, ce sont les médecins qui donne les soins aux enfants. Si les malades viennent pendant la grève, on les reçoit. Je demande à ce qu'il y ait quand même justice sur le paiement de tous les paramédicaux. Parce que nous avons observé que les médecins qui ne sont pas payés, on les aligne et les autres catégories, on ne les aligne pas. Ce qui n'est pas normal. Les infirmiers sont dans leur droit d'observer un arrêt de travail, mais le patriotisme est là pour leur rappeler qu'ils ont le devoir de sauver la vie de ces prématurés, mais futurs cadres de demain. Changeons de registre, réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a redit son engagement de poursuivre avec cette réforme lors de sa rencontre avec une délégation des anciens élèves de l'École nationale de l'administration publique, nous dit Nadine Kilocho. Une administration forte pour un grand pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, tient à pérenniser les acquis de la réforme de l'administration publique. L'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration, les ENARC, venue échanger avec Jean-Pierre Liaou. Cette délégation est allée à la source, s'enquérir notamment de la vision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, sur les rajeunissements de l'administration publique et la nécessité de parachever cette réforme lancée depuis 2003. Nous avons discuté longuement sur la nécessité d'appuyer l'ENA, l'École nationale d'administration, notamment de redynamiser l'action de l'École nationale d'administration. Et nous avons profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement à travers le vice-premier ministre sur la nécessité de préserver les acquis de la réforme de l'administration publique. Ces anarches des différentes promotions ont aussi saisi l'occasion pour solliciter du patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, un mécanisme de suivi pour leur encadrement après leur affectation dans différents services de l'État. Nous avons été surpris par sa compréhension de la réforme, mais aussi de toutes les questions que nous avons évoquées. Nous avons convenu de mettre en place un cadre de concertation pour commencer à réfléchir et évaluer les avancées en ce qui concerne les réformes. Jean-Pierre Liaou a promis à ses hôtes de résoudre dans la mesure du possible les problèmes auxquels ils font face pour une administration moderne de qualité et d'excellence, tout en réaffirmant la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration publique. Le ciel est bleu entre le Caire et Kinshasa. Du matériel hydroélectrique en faveur de la RDC, c'est le vice ou la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, qui a réceptionné ces équipements au nom du gouvernement, nous dit Francine Atumissi. Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement congolais et le gouvernement égyptien, la République démocratique du Congo a réceptionné dernièrement un lot de matériel devant servir au fonctionnement de la centrale hydraulique de Kinshasa. Et pour s'enquérir de la situation physique de ce matériel, composé entre autres d'un générateur hydroélectrique et autres matériels de prévision météorologique, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba Massoudi, a visité les entrepôts de la Direction générale des douanes et accises situés à l'aéroport international d'Ndjili pour en avoir le cœur net, le réceptionner avant la signature effective du protocole d'accord U relatif.
Nous avons réceptionné un don de matériel d'un central hydraulique. C'est un central qui nous aide en fait comme la météorologie, les voies de prévision sur les intempéries, les prévisions sur les climats et tout, par exemple les tremblements de terre, les inondations, même les volcans. C'est ces matériels-là qui vont devoir nous aider. Il y a un central qui est là, qui doit fonctionner. Les constats sont positifs. La patronne de l'environnement, Eve Bazaï Bamassoudi, a rassuré l'opinion. Tout est en ordre et les processus devraient être enclenchés afin que ces outils servent à la République. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bogi Sangara, a procédé hier au lancement des travaux d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2022. Le cercle Roméo Golf de Kinshasa a offert son hospitalité à ses travaux. Ricky Nzuziloya, Hermé Bangando. Nous allons donc prendre les activités déployées à la police nationale congolaise avant bien sûr de passer au budget. Le couvre-feu doit être de stricte application pour lutter contre la COVID-19. La troisième vague est à nos portes. L'évaluation de ce couvre-feu était à l'ordre du jour jeudi au cours de la réunion de commandement élargi dirigée par le commissaire provincial de la peine civile de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo. Il y a tout de même quelques difficultés comme le manque de barricades, le carburant qui vient à manquer. Le couvre-feu concerne tout le monde, les véhicules, les piétons, les vendeurs à la sauvette. Tous doivent le respecter, les policiers sont avertis et le général leur impose plus de rigueur. Que retenir du discours du chef de l'État? Les discothèques et autres bars sont fermés, les levées de corps à la morgue se font dans le respect des gestes barrières en attendant le décret du Premier ministre et l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il n'y a aucune contravention tolérée. Ni au-dessus de la loi, comme nous le disons souvent, la police est là. Si quelqu'un abuse de ses fonctions, de son trafic de violence, ça ne va pas tenir. La police va mettre la main dessus et on va les traduire en justice. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Chacun doit respecter le travail de l'autre. Nous demandons aux automobilistes, aux chauffeurs, de bien se comporter parce que la sanction n'est pas seulement du côté des policiers, c'est de leur côté aussi. On a aussi conscientisé les policiers concernant les gestes, le respect des gestes barrières, les masques, les ports corrects obligatoires des masques. Si vous n'avez pas les masques, l'arrêté est en vigueur, vous devez payer une amende de 5 000 francs. Les gens doivent savoir que toutes les activités sont suspendues, au plus tard 22 heures, aucune activité. Même les piétons ne doivent pas circuler. Chacun doit rester chez soi. La pandémie est là, c'est une situation sérieuse. Les commandants des grandes unités, les commandants des commissariats de la police ont été sensibilisés et doivent appliquer la rigueur de la loi. Dans le divers, le commissaire provincial de la peine civile de Kinshasa, sur les images d'une dame menaçant un policier qui s'est retrouvé dans son véhicule sur les réseaux sociaux, il parle des abus et appelle à un respect mutuel entre usagers de la route et policiers. Suivi l'évaluation donc des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et la police tient à faire respecter la loi. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bogi Sangara, a procédé hier au lancement des travaux d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2022 et c'est le cercle Roméo Golf de Kinshasa qui a offert son hospitalité à ces travaux. Rick Nzouzi. Développement du pays, besoins sociaux de base. Voir les défis sécuritaires et économiques dans un contexte de la recrudescence de la pandémie de la COVID-19, la loi des finances pour l'exercice 2022 doit s'y prêter, surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé des directives pertinentes pour son élaboration. Voilà en substance les propos du ministre d'État, ministre du Budget au lancement officiel du processus de rédaction de ce document vital pour la nation, le projet de loi des finances 2022. Lors de la présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait énoncé la hauteur de ces chiffres qui s'élèvent à autour de 12 milliards de dollars américains. C'est un accroissement important par rapport au budget des années précédentes, mais cela dénote la vision du président de la République et l'ambition du Premier ministre pour la matérialisation à travers des actions concrètes. Donc nous allons, dans les semaines à venir, échanger avec les différentes régies financières pour essayer
d'atteindre des prévisions budgétaires qui se rapprochent de ce chiffre qui a été annoncé par le Premier ministre. Aimé Bojisangara Bamanyure martèle que le projet de loi des finances 2022 doit permettre à l'équipe gouvernementale Samalou Kondé de matérialiser la vision le peuple est d'abord prôné par le chef de l'État avec, sur la sellette, la conception idéologique des luttes contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être de la population. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzé Moukalenk, se veut un homme de terrain. Hier, Olivier Mouinzé a visité la sous-station, la station de la Régie des Eaux, ainsi que les sous-stations de la SNEL. Objectif, améliorer la qualité de la desserte en eau potable et électricité dans cette partie du pays. Suivez ces reportages. Première étape de cette visite d'inspection pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable et électricité, la station d'eau de la Régie des Eaux Mitendi. Créée en 1975, cette station est aujourd'hui saturée. Forte demande des abonnés, mais faible capacité de desservir cette frange de la population du sud-ouest de Kinshasa, allusion faite ici à Kasangoulou et Mitendi. Pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzé Moukalenk, le renforcement de cette station de pompage d'eau est plus qu'une nécessité. Direction les postes SNEL de Mitendi, en pleine modernisation pour décharger celui de Badiading, des 60 MVA et des vignères, trop sollicités. Ces postes desservent la cité verte, Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, et la sous-station Upen, dans la commune d'Engaliema. D'ici la fin de l'année, ces postes seront opérationnels et les travaux avancent à pas de géant, à en croire les contractants tunisiens Comatec et le groupement des Congolais qui exécute les travaux. Dès là, la délégation du ministre Olivier Mouinzé s'est rendue sous la conduite du directeur général de la SNEL Jean Bosco Kayombo Kayan à la sous-station UPEN de la SNEL dotée d'un transformateur de 30 kV capable de pallier au déficit énergétique dans bon nombre de ménages de Kinshasa. C'était important de faire toutes ces visites. On a maintenant une idée et on comprend les gros problèmes. On a bien sûr la vétusté de certaines installations qui n'arrivent plus à suivre, mais aussi un gros problème de démographie. La ville de Kinshasa s'étend. On voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un besoin énergétique et qu'on a besoin de faire beaucoup de travail pour suivre. Décidément, le gouvernement de la République est déterminé à en finir avec l'épineuse question des poches noires et manque d'eau dans plusieurs provinces de la RDC. Cette question, comment faire avancer des questions relatives aux droits humains en RDC? Pour en avoir le cœur net, la sous-secrétaire au département d'État américain, Lisa Peterson, a échangé sur la question avec la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou-Koutouna. Les détails avec Jojo Ndibou. Si rien n'a été fait pour stopper l'hémorragie, l'on aurait assisté sans nul doute à des conséquences beaucoup plus lourdes. Que ce soit sur l'outil de production de la Société nationale d'électricité SNEL-SA que sur les quotidiens des populations du Haut-Katanga et du Lualaba. 300 tonnes de conducteurs électriques en cuivre soustraits pendant la période entre février et juin de l'année en cours par des gens civiques, aujourd'hui entre les mains des services de sécurité. Merci aux autorités parce que le cri de la SNEL a été entendu. Aujourd'hui, les autorités se sont impliquées et au niveau du Katanga, nous sommes en train d'arrêter tous ces inciviques qui ont posé des actes de vandalisme sur nos équipements, en l'occurrence sur notre ligne, aux différentes lignes de transport de l'énergie électrique. Nous avons à peu près au moins 300 tonnes. Donc vous comprenez que au jour d'aujourd'hui, avec la seule ligne qui est restée entre Kolwezi et Lubumbashi, il suffit qu'il continue pour que toute la vie de Lubumbashi soit dans le noir et l'économie du pays soit sabotée. La SNEL-SA, qui salue l'action menée pour mettre hors d'état de nuire cette bande d'inciviques, sollicite un suivi permanent dans la sécurisation de ses équipements. Nous lançons encore une fois un cri pour demander à ce que de tels actes soient réprimés. Et nous profitons de votre micro pour dire à ces inciviques que nous allons le poursuivre jusqu'au dernier, à leur dernier retranchement.
Voilà, nous allons poursuivre ce journal. Vous avez donc suivi que 300 tonnes de conducteurs électriques en cuivre venaient d'être récupérées à Lubumbashi. C'est l'œuvre des malfrats qui ont essayé cette aventure, qui s'est estompée grâce à la vigilance des services de sécurité. Et puis, cette question, je l'ai dit tantôt, comment faire avancer les questions relatives aux droits humains en RDC? Pour en avoir le cœur net, la sous-secrétaire au département d'État américain, Lisa Peterson, a échangé sur la question avec la vice-ministre de la Défense nationale, Mme Séraphine Kiloubou-Koutouna. Les détails dans ce reportage de Jojoun Dibou. Aux efforts fournis pour éliminer complètement l'utilisation des enfants soldats dans les groupes armés en RDC et l'assassinat de deux experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, ainsi que les résultats issus du procès, tels sont entre autres les points abordés au cours de ces échanges entre la sous-secrétaire au département d'État américain, Lisa Peterson, et la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna. Une autre question est celle de savoir comment faire avancer les questions liées ou relatives aux droits de l'homme dans le cadre d'un dialogue permanent mené à l'échelle internationale. This is part of our overall dialogue on human rights with the government of DRC. Sur les questions des droits humains, et c'est maintenant le tour de la République démocratique du Congo. Et nous avons particulièrement parlé de la redevabilité qui toucherait les forces de sécurité. Nous avons aussi évoqué le cas de Sharp et Catalan parce que nous aurions voulu qu'il y ait des résultats issus de ce procès. And ensuring people can speak freely during this period of a state of siege. Nous voulions nous assurer que les gens peuvent s'exprimer librement malgré cette période d'état de siège. Methods for respecting human rights. Et particulièrement autour de méthodes devant être utilisées pour respecter les droits humains. Lisa Peterson a fait savoir aussi qu'il a été question de rassurer qu'en cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les deux provinces d'Ituri et du Nord Kivu, les forces de sécurité respectent les droits humains ainsi que la liberté d'expression des citoyens. La vice-ministre de la Défense nationale a rassuré à son hôte que la RDC ne ménagera aucun effort pour que les droits humains soient respectés par les forces loyalistes. La sous-secrétaire américaine d'État américain en charge de la démocratie ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est entretenue également avec le président des LECIDE, Martin Fayoulou. Lisa Peterson avait à ses côtés l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Ham. Reportage. Lisa Peterson est venue des États-Unis pour lancer le premier dialogue des droits humains avec le gouvernement congolais. Mais c'est très important en une démocratie de toujours parler avec toutes les autorités politiques du pays, spécialement aussi les oppositions, la Mouka et le président Fayoulou, qui représentent un parti politique très, très important, et pour avoir et comprendre les perspectives qu'il y a pour améliorer et renforcer la démocratie en RDC. On l'a discuté, on a écouté bien les préoccupations de M. Fayoulou et on est en train d'avoir le dialogue avec tous les forces politiques, le gouvernement, la société civile, bien sûr, pour voir qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir le renforcement de la démocratie congolaise. Et puis, sachez que l'atelier de validation de l'avant-projet de loi sur l'entrepreneuriat et l'artisanat se referme aujourd'hui à Kinshasa. Des précisions dans ce reportage signé Mireille Ndekeami. L'émergence de la classe moyenne passe aussi par un cadre juridique dynamique capable d'encadrer et de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est dans cette optique que vient de se tenir durant deux jours l'atelier de validation des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat, le Start-up
et l'artisanat sous l'égide du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Muhanzi Mumbimbi. Le deuxième jour de ces assises a été consacré à l'artisanat et a permis aux participants de formuler quelques suggestions pour réguler ce sous-secteur de PME dont les acteurs travaillent souvent de manière informelle, d'où la nécessité de tests de loi afin d'une réglementation correcte. La première recommandation qui est formulée à l'endroit du gouvernement, c'est d'adopter le plus rapidement possible ces deux avant-projets de loi, de les envoyer au Parlement. La deuxième recommandation, c'est de demander au Parlement de les adopter le plus rapidement et au chef de l'État de les promulguer le plus rapidement afin de permettre à ces deux sous-secteurs de disposer d'un cadre juridique qui peut leur permettre de se développer. Le secrétaire général de l'entrepreneuriat qui a clôturé ses assises au nom du ministre d'État, Eustache Muhanzi Mumbimbi, a remercié les participants pour les efforts consentis dans l'élaboration de ces avant-projets de loi et ce dans le souci de promouvoir le PME. J'étais donc à féliciter et à remercier sincèrement chacun et chacune d'entre vous pour votre sens élevé des responsabilités et des patriotismes. Soyez convaincus que vous êtes bel et bien les co-auteurs de ces futures lois dont la nation a tant besoin et qui, je n'en doute pas, un seul instant, transformeront effectivement et profondément la vie de nos concitoyens grâce à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Des assises d'importance capitale car ces sous-secteurs de PME contribuent non seulement à la création de richesses mais aussi au développement de la République démocratique du Congo. Avant de refermer ce journal, sachez que la GECAMINE veut retrouver sa place d'antan. Elle sollicite pour ce faire l'intervention de la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda Maïna. Par la suite, échanger avec les responsables de la SOCIR, le tout dans ce reportage de Angèle Mabialalandou. La GECAMINE, ou Société Générale de Carrière et des Mines, est une société commerciale de droit privé, détenue à 100% par l'État congolais, qui concentre ses activités autour de la prospection, la recherche et l'exploitation des réserves minières dans l'ancienne province de Katanga. Son comité de gestion évoque des problèmes de gestion, entre autres, le personnel vieillissant, l'outil de production vétuste, les partenaires ayant signé les contrats avec la GECAMINE ne donne pas de dividendes à l'entreprise. Il lance ainsi un appel de détresse au gouvernement de la République. Il n'y a pas de dividendes parce que par rapport aux études de faisabilité, les investissements ont été supérieurs de 170% à ce qui était prévu. Les charges d'exploitation étaient supérieures de 200% aux études de faisabilité. Les charges d'exploitation ont été supérieures à près de 3 fois. Mais pourtant la production est restée celle qui était prévue. Parce que le partenaire se paye sur les faux investissements, sur des charges financières excessives, sur des charges d'exploitation qui vont aux sous-traitants, qui sont ses propres sociétés. Créée en 1963, la Société congolaise des industries de raffinage constitue un maillon stratégique de la chaîne pétrolière de la RDC Corridor Ouest. Mais elle rencontre des difficultés dans sa gestion. Son projet de bitume à Moanda n'a pas été un succès. Le vieillissement du personnel aussi demande-t-elle au gouvernement de lui venir en aide. La réaction de la princesse Adèle Kaïnda Maïna ne s'est pas fait attendre. Nous allons vous encourager de continuer, mais beaucoup plus de vous rapprocher maintenant de votre objet social qui a été à la base de la création. Nous voulons aussi que notre pays se conjugue à la raffinerie. Le ministère du portefeuille fournit des gros efforts pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Après ce journal...